Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 73. J'essaie juste d'aligner ma caméra pour qu'il n'y ait pas trop de soleil dans l'écran. Voilà, je crois que c'est un peu mieux comme ça. Voilà. Aujourd'hui, que rejetez-vous ou que jugez-vous de vous qui en fait est une contribution à votre vie, à la création de votre vie, ou bien est vraiment une de vos forces et qui justement vous permettrait de créer votre vie et apporterait, bonjour Kitty, qui justement apporterait cette aisance que vous désirez ou qui créerait tellement plus d'aisance si vous vous permettiez d'être ceci plutôt que de vous juger. Je vous donne un exemple. Bonjour Ève. Je vous donne un exemple. Quand j'étais enseignante à l'éducation des adultes, j'enseignais au niveau, à l'éducation des adultes, dans le temps, je ne sais pas si c'est encore comme ça, bonjour Nadine. C'est un plaisir pour moi aussi, merci. Il y avait à ce moment-là le niveau, ce qu'on appelle au Québec le niveau primaire et le niveau secondaire. Je crois qu'en Europe, vous l'appelez le niveau peut-être, je ne sais pas, primaire et peut-être le collège, peut-être que vous appelez ceci. Et les gens, pour pouvoir entrer à l'éducation des adultes, devaient souvent passer des tests. Et selon le résultat des tests, ils étaient classifiés selon leurs résultats, selon leurs résultats. Et j'ai pas besoin de vous dire que les gens qui cotaient un résultat au niveau où est-ce que moi j'enseignais, pour eux, c'était pas la fête. Hein? C'était, bonjour Amandine, pour eux, c'était une... ça pouvait être un échec, il aurait tellement désiré avoir coté au niveau du secondaire pour mieux paraître. Donc, moi, à travers tout ceci, je ne suis pas consciente de ma capacité énergétique que je peux percevoir au niveau des gens. Donc, pour moi, enseigner à ce niveau-là, c'est pas très valorisant parce que je perçois les énergies de tout le monde et les gens et en même temps c'est la base au niveau du primaire. Si un exemple, on ne sait pas comment additionner, multiplier, diviser, soustraire des fractions, quand on arrive pour faire les mathématiques au secondaire et qu'on a des fractions, si on n'a pas la base, on est vraiment foutu. Hein? Si on n'a pas la base de quelque chose, comment peut-on avoir de l'aisance à développer plus loin? Et je me jugeais. J'aurais aimé, moi aussi, à un moment donné, pouvoir enseigner à ce niveau-là, mais le poste était pris. Mais je me jugeais. Pourquoi? Et je me disais, pourquoi est-ce que la vie me ramène toujours à la base? Pourquoi est-ce que la vie me ramène toujours à la base? Pourquoi est-ce que je me retrouve souvent à la base des choses? Et puis dernièrement, j'ai eu, toujours une richesse pour Mateka, merci Ève, et j'ai eu cette prise de conscience, cette magnifique prise de conscience par rapport à ceci, où est-ce que je me jugeais de ceci, pour réaliser que dans l'énergie, ce que je deviens de plus en plus, ou ce que je prends conscience de plus en plus, si je pourrais dire plutôt, c'est que tout est dans l'énergie. Et quand on se permet de s'ouvrir à recevoir, tout est là. La base de tout dans notre énergie, dans notre vie, c'est dans l'énergie. Et c'était comme, oh my God, wow! Et aujourd'hui, ça fait partie d'une de mes plus grandes forces que de me permettre de recevoir ce qui est dans mon énergie, ce qui est dans l'énergie d'une autre personne, lorsque je facilite la personne. Et ce qu'on retrouve très souvent lorsque la personne... je travaille avec une personne,
c'est qu'il y a souvent une... Amandine nous dit « S'ouvrir à recevoir la théorie et la pratique, c'est un chemin. » Oui, oui, c'est vraiment ceci, « S'ouvrir à recevoir. » Et c'est vraiment ici, voilà, quand je suis en session privée avec les gens et qu'on va dans l'énergie, souvent la personne saisit pourquoi elle est d'une certaine façon, pourquoi elle agit d'une certaine façon. Il y a... Elle comprend. OK, c'est pas parce que je suis en manque, c'est pas parce que je suis moins ou je suis pas assez compétente. C'est qu'il y avait dans l'énergie de la personne une dynamique énergétique, un point de vue. Voilà, quelque chose dans l'énergie qui bloquait, qui empêchait la personne ou qui faisait en sorte que la personne était programmée à voir les choses d'une certaine façon, à recevoir les choses d'une certaine façon. Donc, voilà. Pendant une grande partie de ma vie, je me suis jugée de ceci. Je retourne toujours à la base, je suis toujours à la base. Alors que... bonjour Cathy! Alors que c'est vraiment une de mes forces. C'est une de mes forces. Et voilà, qu'est-ce que de vous, vous rejetez ou que vous jugez qui en fait est une force? Hein? Et combien de fois, parce que je me jugeais, je ne me permettais pas de recevoir, de recevoir ceci et en même temps... Ce que je réalise, c'est que souvent, je vais aller dans le fin fond des choses. Et les gens vont me dire parfois, « Wow, c'est profond ce que tu viens de dire. » Moi, la superficie, tout ce qui est superficiel, quand je dis superficiel, ce que je veux dire, c'est que moi, juste aller, souvent, il faut aller en profondeur. Hein? Quand je fais les sessions avec les gens ou bien dans mes classes, c'est la même chose. Parfois, c'est d'aller en profondeur. Parfois, voilà, le temps nous empêche... Dans une classe, c'est pas le fait non plus de faire une session privée avec les gens en pleine classe. Mais voilà, c'est parfois c'est en allant dans la profondeur qu'on peut trouver les choses. Voilà, qu'est-ce que vous jugez de vous? Et je vous invite à prendre conscience aujourd'hui. OK, qu'est-ce que je juge de moi ici? Qu'est-ce que je juge de moi? Qu'est-ce que je rejette de moi-même? Et si juste pour aujourd'hui, premièrement, c'est d'en prendre conscience. Si vous prenez conscience de quelque chose, c'est « wow ». Et ensuite, au lieu d'être en relation à ceci, au lieu de vous rejeter ou au lieu de vous juger, je vous invite à rester avec ceci, à accueillir ceci et de poser des questions du style et si c'était une force? Et si je me permettais d'être ceci sans aucun point de vue, qu'est-ce que ça créerait dans ma vie? Voilà. Et c'est et tous les points de vue que vous aurez à ce moment-là en place, je vous invite à tout détruire et décréer ceci. Et ça peut être inconfortable. Ça peut être inconfortable pour vous de faire ceci parce que ce qu'on juge, dans le fond, c'est une énergie de soi. Et de rester en présence de cette énergie-là peut être inconfortable. Et c'est vraiment aller dans la question, OK, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je n'aie plus aucun point de vue par rapport à cette énergie? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois en présence de cette énergie et que je n'ai plus aucun point de vue, que ça ne m'affecte plus, que je sois vraiment dans l'accueil de ceci sans aucun point de vue? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me permette? Est-ce que par hasard, et une fois que vous allez être dans cet espace d'aucun point de vue, parce que c'est toute la résistance que j'ai ici, je la détruis, je la décris. Toute la réaction que j'ai par rapport à cette énergie, je la détruis, je la décris. Voilà, c'est vraiment ici, c'est ce que je vous invite ici à vraiment détruire et décrire tout ce qui est en place. Et ensuite, lorsque vous serez dans cet espace où est-ce que vous pouvez être en présence de cette énergie avec aisance, c'est vraiment... Bonjour, René! Et c'est vraiment ici de...
de demander, OK, quelle est la contribution, si je me permettais de recevoir la contribution de cette énergie, qu'est-ce que ceci créerait dans ma vie? Mais ça, poser cette question-là vraiment lorsque vous n'avez plus de réaction, lorsque vous n'avez plus de résistance, parce que sinon, vous ne recevrez pas. Voilà. Donc, c'est vraiment ici, c'est ce que je vous invite aujourd'hui, à prendre conscience d'une chose que vous rejetez de vous, que vous jugez de vous, et de rester avec cette énergie-là, et de poser des questions pour ne plus être en réaction à ceci, mais vraiment, et si c'était plutôt une force? Et si c'était une force? Donc, tout ce que ça fait remonter ici, wow! Allez-vous le détruire et le décrire? Point du zillion! Right, wrong, bad, pot, popcorn, nine shorts, pause and beyond. Bonne journée à vous tous! Bonne exploration! Et à la prochaine! Bye bye!